Bien salut tout le monde, c'est HippoGamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super, aujourd'hui les amis on se retrouve sur Minecraft Pocket Edition pour faire le Cake Challenge. Donc j'ai été nominé par DanVideo44, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc c'est parti, on va faire jouer et on va tout de suite créer le monde. Donc le Cake Challenge consiste tout simplement à faire un gâteau en moins de temps possible. Du coup j'ai le chronomètre sur mon PC et je vous le mettrai aussi durant la vidéo. Donc Cake, voilà, on va l'appeler Cake, en survie. Bien évidemment, difficulté normale, pas de cheat, infini, et on va faire jouer. Et on attend la génération du terrain. J'ai mis un shader pour que ce soit plus joli à voir, comme ça c'est parfait. Je vais pas faire de pause pendant le montage, ou alors si jamais il y a des temps trop longs comme le chargement ou quoi, donc là ça va. Mais voilà, terminé, c'est bon, on arrive ici. Voilà, j'attends juste que ça génère un peu. Ça a l'air d'être un beau spawn. Donc le shader c'est magnifique. Donc on tourne, on regarde ce qu'il y a. Là-bas il y a des chevaux directement, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Donc regardez le shader, c'est magnifique. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais lancer le chronomètre. Et go, c'est parti. C'est parti, donc la première chose c'est déjà de couper du bois. Bien évidemment. Hop, on va couper ça. Et le but c'est de faire le cake le plus rapidement possible, en moins de temps possible. Donc il nous faut du fer pour faire 3 seaux de lait. Il nous faut du blé. Il nous faut encore... qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Des œufs. Par contre les œufs ça va être hyper chaud. Des œufs à voir. Là il y a les vaches, donc les vaches ça va être parfait. On va directement se faire ça, j'espère que ça va pas trop laguer avec le shader. J'espère que non. On va s'installer ici. On va se faire hop, les matériaux de base. Et ça pour après nous prendre des graines. Donc il nous faut 3 blés tout simplement. Donc voilà, donc déjà une. Hop, allez s'il vous plaît. Ce qui serait pas mal c'est d'arriver dans un village et là on serait vraiment bien directement. Allez s'il vous plaît. Hop, on va essayer de prendre 3 blés directement. Voilà, 2 et 3 parce que j'ai vu une source d'eau là-bas. Donc là ça va être parfait. J'espère que la vidéo va pas durer longtemps. Si jamais elle dure pas longtemps c'est que j'ai fait un temps excellent. S'il vous plaît, non, vous voulez pas me donner un autre blé? Ce serait pas mal, ce serait gentil de votre part. Ah voilà, 3, c'est bon. Là j'ai vu de l'eau, donc on va directement se faire, là-bas il y a de l'eau. On va directement se faire la source, j'allais dire. Hop, près d'ici. Les amis, regardez, il y a un village. Oh, parfait, parfait, parfait. Alors attendez, alors j'ai plus besoin de faire ça, il y a un village complètement direct, direct. Alors vous avez vu, j'ai créé la map avec vous, sans seed, sans rien. Et voilà, donc ça c'est super, je suis vraiment content d'avoir gardé cette partie du montage. Parce que sinon, vous allez dire que je cheat, hein. Comme il y a eu le petit troll avec YoloZebi. Exactement. Là, ça va être parfait les amis. J'espère vraiment que tout est parfait dans ce village. Alors là, on a marqué un grand point. Par contre, on va piquer un peu de pierre, ça. On s'en fout, là je crois qu'on est vraiment le plus parfait possible. Les plus chanceux, je crois. Alors là c'est vraiment parfait. Hop, on va se faire directement une pioche en pierre. Voilà, donc là on a un blé comme ceci, 2 et 3. Donc là c'est parfait, on a tout ce qu'il faut pour le moment. On a 3 blés. Est-ce qu'il y a une fonderie avec un coffre? Là ça aurait été super. Je ne pense pas qu'il y ait une fonderie. Non, ça c'est dommage. Il n'y a pas de coffre. Il n'y a pas de coffre dans ce village, c'est pas grave. On va prendre par exemple ici, c'est quoi? Ici, ceci, du blé. Non, c'est des patates. On va prendre des patates juste pour manger. Voilà. On va prendre... Il y a des poulets. Et des poulets. Donc, si jamais ils pondent un œuf, je crois que ce sera le miracle. Le miracle. Donc là, on va juste aller en grotte. Parce qu'il nous faut tout simplement de quoi faire les seaux. Là, il y a des vaches. Donc, on a tout à disposition. Donc, c'est parti. Il faut trouver la grotte directement. Le plus vite possible. J'espère qu'il y en a une. Parce que sinon, ça va pas le faire, ça. Hop, on va avancer par ici. Donc sinon ça va pas le faire s'il n'y a pas de grotte. J'espère tomber au plus vite sur une grotte. On va juste prendre ce bois ici. Comme ça on a un peu plus de bois. Hop, voilà. Avec le shader par exemple dans les grottes ça va être chaud. Alors j'espère que ça lag pas trop. Là quand je casse du bois ça lag un peu vu que je filme en même temps. Mais bon, c'est quand même potable je crois. Hop, si jamais vous voulez, si jamais dans d'autres vidéos je vais enlever le shader, hein, si jamais c'est trop ennuyant, etc. Si jamais c'est beau, n'hésitez pas à me dire si jamais vous aimez. Du coup, il n'y a pas de grotte. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Please, une grotte. Là, mais il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Non, on va plutôt aller par là-bas. On va pas trop s'éloigner du village, on va aller de ce côté.
Nous sommes à 3 minutes 55. 3 minutes 55, c'est vraiment parfait. En plus, on a tout ce qu'il faut. Il y a les poulets, etc. Donc là, vraiment, nous sommes vraiment bien. Nous sommes vraiment parfaits. Il y a des vaches, etc. Donc là, ça nous laisse vraiment la chance d'avoir plein de trucs. On va se faire déjà un lit. Hop, dès le début, s'il vous plaît. Le mouton, merci. Là, il nous a donné de la nourriture. Il nous faudrait... il y a pas mal de moutons, donc ça, c'est déjà bien. Même s'il nous donne de la nourriture, ici, on peut les tuer. Voilà, merci. Pour avoir de la laine. Nous en avons deux. De laine. J'avais vu un troisième mouton, je ne sais plus où il est. Troisième mouton, s'il te plaît. S'il te plaît. Mouton. Là. Voilà. J'espère que j'avais de la canne à sucre. Je sais pas si je l'ai prise. J'ai pas pris la canne à sucre. J'étais... Ok. Bon, il y a la canne à sucre là-bas. Ça, ça va. Mais j'étais tellement... Ok. Là-bas. Il y a de la canne à sucre. On va aller par là-bas. Oui. Ok, les commandes ont bugué. On va aller par là-bas. On va prendre la canne à sucre qu'il y a là, en espérant que les poulets vont pondre hyper vite. On va prendre la canne à sucre. Il s'y trouve ici. Allez, on peut plus courir, ok. Hop, on prend la canne à sucre. Alors attendez, on mange. Hop. On mange les patates, ils veulent plus le manger, ok. On va prendre la canne à sucre, vite. Hop. Voilà. On va prendre. On va essayer de trouver une grotte. Il y a des cochons ici. Ok. Ok. On va essayer de trouver une grotte par ici. Ok, là, une grotte. Ok. Il y a une entrée de grotte. Super, super, ok. Nous sommes bien. Par contre, j'ai pas de torche, du coup on va se faire un four directement pour faire des torches. Donc s'il y a juste une ellipse avant, c'est parce que, hop, j'ai été dérangé. Mais c'était genre 2 secondes. Voilà, on va se faire, hop, avec la table de craft, comme ceci, un petit four. Voilà, on va placer du bois pour faire cuire tout ça. Donc là je suis bien obligé de mettre ça. Voilà. Et là on va descendre dans la grotte, on attend juste que ça, ça cuit. Directement, nous sommes à 6 minutes 19. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Est-ce que... Ouais, ça fait un charbon de bois déjà, mais ça va hyper vite ici. Ça va hyper vite. On va juste se faire... Hop. Des torches. Voilà. On va se faire du bois, on va se faire le lit. Bien évidemment. Directement, on va mettre le lit ici. Voilà. Les torches, ils sont ici. Sinon, vous allez rien y voir. Voilà. Comme ceci. Et là, c'est pas grand chose comme grotte, mais on va creuser. On va creuser, sinon on n'aura pas le temps de direct. Ah, mais écoutez, regardez. Ok, d'accord, il fallait juste creuser. Alors, torche, s'il vous plaît. Voilà, du fer, parfait, du fer directement. Du fer. Il nous en faut 9. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, là, étant vous dire qu'on a, on a beaucoup de chance sur cette map. On a vraiment beaucoup de chance sur cette map. Est-ce qu'on en a 9? On en a 10, parfait. Parfait. Il n'y aurait pas de charbon, non? Comment nous allons faire cuire ça? On va mettre les outils à chauffer. Juste pour avoir le dernier charbon ici. On va mettre les outils. Ça, vite, chauffe. On attend juste que ça chauffe. Nous sommes à 7 minutes 42. J'espérais déjà avoir le 9. Parce que sinon, ça va être chaud. Ça va être chaud. Hop, on va vite se faire un autre four. Comme ça, c'est plus rapide. La table de craft, elle est ici. Un four. Allez, on se dépêche. On met les 10 fers. Comme ça, dedans. Direct, le charbon. Là, ça a cuit. Yes, super. On en met un. On va juste se faire encore quelques torches pour voir qu'est-ce qu'il y a. Après, si jamais on a du charbon, du vrai véritable charbon. Et je crois que c'est bon. Il y a du charbon, ça. Super, ok. Hop, il y a du charbon. On prend juste ça. Et alors là, ça va être plus vite. On va juste faire cuire la nourriture aussi. Hop. Voilà. Et voilà, donc quelques petits lags. C'est bon. Hop. C'est parfait. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Perds pas de temps. Est-ce que le fer est cuit? Oui, il y en a déjà 4. Super. 4. On va se faire déjà un petit saut. Hop.
Est-ce que la nuit va tomber? J'ai pas l'impression. Donc ça, c'est déjà pas mal. Nous sommes à 9 minutes. Et on va essayer de se dépêcher. Mange les patates. Dans ce four, j'allais dire coffre. Dans ce four, on va mettre hop, la nourriture. Parce que voilà, il en manque. Là, on peut se faire un deuxième saut. Voilà. Et hop. Je crois que c'est bon. Je vais juste aller voir à l'extérieur. Il commence à faire nuit. Il commence juste à faire... Ouh, ok, ça lag. Là, il y a une vache directement. On va directement prendre ça. Ça lag. Allez, la vache, traire. Voilà, nous avons déjà un seau de lait. Est-ce qu'on peut la traire? Traire. Nous avons deux seaux de lait, donc ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Par contre, ça lag. On va éviter. Vite ici. Hop, nous avons le reste du fer. C'est parfait. On va mettre ça à cuire, si jamais. Voilà. Le dernier seau. On va chercher la vache. La vache. Et puis, on peut dormir. Oui, ok. Et puis, on va dormir comme ça. Hop, les poules vont pondre. S'il vous plaît, la vache. Ça lag quand je remonte à la surface, vu que ça va être nuit. La vache revient ici. Traire. Ok, nous avons les trois seaux de lait. Les trois blés. Donc ça, c'est parfait. On va juste dormir. On va mettre la torche ici. Voilà. On va juste dormir. Voilà, ça c'est parfait, nous sommes à 10 minutes 20. On va essayer vite de faire en moins de 12 minutes. Ce serait vraiment pas mal. Ici, la nourriture. Hop, pour faire le gâteau, c'était quoi encore? Donc le gâteau c'était ici, le cake. Non, ça c'était un cookie. Le gâteau il est où, le goût? Le gâteau il est là. Donc, 2 sucres et un œuf. Du coup le sucre, hop. Voilà, nous avons le sucre. On va casser la table de craft. Comme ceci, on va vite aller chercher l'œuf. Hop. Hop, voilà, comme ceci. Et là, c'est parfait, hop, vite. Je cours. Juste là, il y a un poulet, il n'a pas pondu, non? L'œuf, par contre, là, ça va être chaud. Pour l'œuf, on va retourner au village. J'espère qu'un poulet a pondu. S'il n'y a pas un œuf par terre, je vous éclate. Parce que c'est les poulets qui sont plus chauds à voir avec les œufs. Donc, s'il vous plaît, faites-moi un œuf. S'il vous plaît, les poulets. Allez. Alors, je mange, hein. Mais ça lag un truc de ouf. À la surface, ça lag un peu. Il n'y avait pas d'autres poulets? J'avais vu d'autres poulets à un moment. Par ici, non. Ah là là. Allez. Je sais qu'il y a des vaches. Il faut juste l'œuf et ce serait bon. S'il vous plaît, pour moi un œuf. S'il vous plaît. Pour moi un œuf, s'il te plaît, petit poulet. Non, allez. Allez. Pour moi, cet œuf que j'ai besoin. Ah là là, ça va pas le faire, ça. Allez, pondez-moi un œuf. Il manque juste un œuf et c'est bon. Il me manque juste un petit œuf et c'est bon. J'entends plus que ça. Allez, s'il vous plaît. Je sais que je me répète, mais bon. C'est le plus important. S'il vous plaît, les petits poulets. Allez, il manque juste un œuf. En plus, il y a 3 poulets. Il n'y en a aucun qui veut me donner un œuf. Il n'y en a aucun qui veut pondre aussi. Ne pars pas, toi. J'ai besoin de ton œuf. Par contre, là, il n'y en a pas du tout. Ça va être chaud de réaliser ça. Allez. Pondez-moi cet œuf, s'il vous plaît. Allez. Oh, l'autre poulet, il est parti. Il s'est enfoui. Eh non, il est là. Reviens ici, toi. Il faut ton œuf. On peut pas les stresser en donnant un coup comme ça. Ça va pas leur faire pondre un œuf. Allez. Il nous manque juste plus que ça pour faire le gâteau qui se trouve ici, regardez. Il manque plus que l'œuf. L'œuf et on a fini. Mais. Allez. Il est où l'autre poulet ici? C'est barré celui-là. Ok, il y a un poulet qui a disparu. Là il y a. Non. Allez, là il y a un poulet. Je crois que c'est le même là. Allez, s'il vous plaît. Je crois qu'aucun des poulets veut me pondre un œuf. Je crois que là. Là, c'est mort. Je crois qu'il y avait des poulets là-bas. Je crois bien qu'il y avait des poulets. Quand on avait pris l'arbre ici. Mais bon, je crois qu'ils ont. Ils ont disparu. Est-ce qu'ils étaient. Bonne question. Est-ce qu'ils étaient ici? Non. Ok, donc je crois que pour l'œuf, ça va être bientôt mort. Nous sommes, je crois, à 14 minutes, plus ou moins.
peu près. Et nous avons toujours pas d'œuf. S'il vous plaît. Allez. Pondez-moi cet œuf là. Je sais qu'on est, on est bientôt à Pâques, mais voilà. J'aurais besoin d'un œuf. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Jamais vu autant galérer dans Minecraft juste pour un œuf. Alors que d'habitude, genre à chaque fois que vous voyez un poulet, vous avez un œuf. Là, pas du tout. Là, ils s'en foutent les poulets. Du coup, je crois que... Si on n'a pas d'œuf, je crois qu'on... On est à 14 minutes 26. Allez, petit poulet, juste l'œuf. J'aimerais terminer cette vidéo. Il faudrait juste un œuf pour terminer. Pondez-moi un œuf. Allez. Je t'attends. Je t'attends, poulet. Sors-moi un œuf de cet étrange cube qui te sert de corps. Allez. Oh là là. Ah voilà, yes, un œuf. OK. OK. Et c'est là que maintenant, celui-là aussi, non, il va pas pondre. OK. D'accord, yes, un œuf. On l'a vu en direct, c'est parfait. Et vite, 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 le gâteau et boum. Stop. OK. C'est fini. C'est fini, sur mon écran je crois que c'est 15 minutes 03, alors qu'on avait vraiment pas mal de trucs ici, c'est juste vraiment les poulets qui nous ont tardé pour cet œuf. Mais bon voilà, en tout cas les amis, hop, nous avons relevé ce cake challenge, désolé si jamais vous aimez pas avec, à cause des lags etc, mais bon, c'était plutôt pas mal, je vais essayer de mettre la version plus low du shader, un peu plus... Parce que ça lag un peu quand même. Certains endroits, non, ça va. Certains endroits, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Mais sinon, non. Dites-moi si jamais vous aimez le shader ou pas. Et moi, du coup, je vous dis à la prochaine. Vous avez le score. Essayez de battre. Je nomine juste Science Slime. Vu que je sais que lui fait plus de vidéos. Mais juste pour le fun, un week-end, si jamais il a le temps de faire ce kick challenge, tout simplement. Et du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à le réaliser et à envoyer vos scores sur Twitter ou sur vos vidéos YouTube sur Twitter etc. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était HypodGamer172, allez, bye tout le monde.